Je suis passée pour avoir la signature du livre de Monsieur Copé, que je suis régulièrement et qui donc a édité donc son livre en collaboration sur l'intelligence artificielle, un thème dont on entend beaucoup parler et dont il faut se tenir au courant actuellement. L'intelligence artificielle, vous savez, c'est ce phénomène lié aux nouvelles technologies qui fait qu'on a la capacité aujourd'hui d'inventer des machines qui imitent l'intelligence humaine. C'est un phénomène qui est en train de bouleverser complètement la vie de la société mondiale et qui est une invention des hommes comparable à l'invention de l'imprimerie sous Gutenberg, de l'électricité, de la vapeur, de la pénicilline et puis plus encore lointain, l'invention du feu, c'est-à-dire ces transformations, ces inventions qui transforment la vie de l'humanité. Et l'intelligence artificielle, vous le retrouvez dans les smartphones, dans le diagnostic médical, vous le retrouvez dans les robots, dans les imprimantes 3D, bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, la machine vient, comme elle ne l'a jamais fait auparavant, épauler, aider, accompagner et se substituer à l'homme. J'ai des petits-enfants, donc il faut se tenir au courant pour les générations qui arrivent. Et donc... J'ai l'informatique, j'ai le iPhone, donc je suis équipée et donc je tiens à être bien au courant du développement de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que dans les hôpitaux, il existe déjà des robots qui distribuent les médicaments dans les services. Voilà. J'ai trouvé ce livre... Enfin, je le trouve, parce que je suis en train de le lire, je ne l'ai pas fini, mais j'invite tout le monde à en faire de même que moi. Ce livre est vraiment très d'actualité et c'est un nouveau thème qui est abordé par notre maire, Monsieur Jean-François Copé. Et c'est comme lui, c'est très étonnant. Il a raison, je pense, d'aller sur ce sujet, qui est un sujet un peu inquiétant, mais effectivement passionnant. Et je trouve ça très honnête de sa part... d'aller sur ce sujet-ci et de défendre un peu son opinion et indirectement de défendre notre démocratie. Je suis très frappé de voir que les hommes politiques sont aussi silencieux sur un sujet qui en réalité a des conséquences énormes sur l'emploi, sur la santé, sur les rapports entre les individus hein, dans toutes les sociétés du monde et puis même les rapports entre les nations parce que les États-Unis d'un côté avec Google et Apple, les Chinois de l'autre avec des grands géants qu'on appelle les BATX sont en train d'écraser l'Europe et donc on doit absolument réagir et c'est aussi un enjeu de débat public que d'en parler. Donc il n'y a chez moi rien d'autre que la volonté dans cette période de réserve hein, par rapport à la politique politicienne, plutôt de mettre les pieds dans le plat et de dire attention, le décalage est énorme et il explique pour partie l'inquiétude de Français qui parfois ont revêtu des gilets jaunes. Les idées de droite, on va dire, hein. Sans être vraiment trop à droite quand même, donc un petit peu au centre aussi, et il peut apporter beaucoup de choses à nos pays. Le lien avec les gilets jaunes, il est important, il est même considérable. Qu'est-ce qu'il y a dans la révolte des gilets jaunes? Je ne parle pas des casseurs et des extrémistes, je parle des sincères, ceux qui au début ont exprimé, bien sûr, une révolte fiscale, mais au-delà de ça, une peur de l'avenir, par rapport à leur emploi, par rapport à leur capacité de comprendre tous ces problèmes, de ne pas être dépassés pour eux, pour leurs enfants. Et cette inquiétude énorme, elle se révèle un peu partout dans le monde, sous des formes différentes, elle explique la montée des populismes aussi. Et si on a voulu intituler ce livre avec Laurent Alexandre, qui est un des grands scientifiques de cette discipline, l'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie? C'est tout simplement parce qu'on pense que la démocratie en fait est menacée parce que c'est une porte ouverte à tous les populismes. Je pense sincèrement qu'il est très hyperactif, il est un peu touche à tout, il est très calé aussi bien en musique que sincèrement en littérature. Et c'est quelqu'un de très intéressant et il s'est toujours montré très disponible par rapport au mêle-doigt. Donc c'est vrai que là vous me dites s'il revient auprès de nous et sincèrement je pense qu'il ne nous a jamais vraiment quittés.
Mais je pense que c'est bien par rapport au reste de la France, cet ouvrage, parce que ça montre qu'il touche à tout et qu'il est toujours sincère dans ses démarches. Moi, je suis à fond avec ses idées, donc j'aurais bien aimé quand même que M. Copé... Moi, je pensais qu'il allait être un jour président de la République, carrément. L'idée, c'est que nous avons la perspective d'un grand rassemblement en réalité territoriale jusqu'à Roissy, et que je voudrais en profiter pour faire venir ici des entreprises qui sont directement connectées au secteur de l'aéronautique, de l'aéroportuaire, de l'avionique, pour pouvoir justement créer de l'emploi ici, et notamment en utilisant les ressources du digital et de l'intelligence artificielle qui, comme vous le savez, sont très présents dans ces secteurs économiques-là. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Oui, effectivement, c'est un peu bateau, mais oui, j'espère que cet ouvrage va fonctionner parce qu'il est déjà, c'est un sujet très intéressant qui peut montrer une autre facette de sa personnalité. Donc j'espère que les Français auront la curiosité de le lire et d'aller au-delà un peu des clichés des hommes politiques qu'on a et le ressenti qu'on a de ce maire qui, sur la ville de Meaux, a fait de très belles choses. J'ai pris beaucoup de distance par rapport à la politique politicienne. Bon, tout le monde sait que j'ai beaucoup de désaccords avec la manière dont son président gère les choses, mais peu importe, je suis pas du tout dans cette dimension-là. Moi, ça m'a paru un peu injuste, un peu ce qui s'est passé. C'était très violent et je pense que pour lui, ça a été une bonne chose, effectivement, de s'éloigner, de se ressourcer peut-être à travers l'écriture et à travers sa ville de Meaux. Oui, je pense que c'est une bonne chose et j'espère que ça portera ses fruits, ouais, pour lui. Qu'est-ce que je pense de lui ? Eh ben, c'est un maire formidable. Il s'occupe bien de notre ville. Tout a bien changé, le centre-ville, les routes piétonnières, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire, la place devant le tribunal, aussi, tout ce qu'il est en train de faire là, je trouve ça très très joli. C'est vrai qu'on est un peu morose en ce début d'année, on a fini l'année donc effectivement avec les gilets jaunes, là il y a la neige, c'est vrai qu'on est un peu perdu et inquiet et ce livre va dans ce sens aussi un petit peu, donc j'espère y trouver des questions et quelque chose, un petit côté rassurant peut-être, mais au moins voilà, là je trouve qu'on se sent un peu comme protégé indirectement à travers ce livre, je pense que c'est ce qu'il veut faire des gens tout court, donc voilà. Je pense qu'il y a eu beaucoup de médias hein, qui ont été contre lui, hein, qui l'ont cassé, comme ils ont fait d'ailleurs avec M. Fillon, entre parenthèses. Hein. Et en ce moment, on est encore en train de nous démolir les Républicains. Bien dommage. Il est peut-être mieux que M. Wauquiez, mais ce qui est regrettable, on ne peut pas se permettre de critiquer M. Wauquiez dans la mesure où on nous a présenté que M. Wauquiez. Donc à partir du moment où M. Wauquiez a été élu, pour les Républicains, ben maintenant il faut le soutenir, on n'a plus que ça, hein. Il faut le soutenir, il faut qu'on passe, hein. Il faut qu'on gagne. Hein.